Bună dimineața și bine v-am găsit! Vă spunem astăzi în direct de la Sibiu, unde împreună cu colegul meu Eduard Vasilică suntem pentru cea de-a 31-a ediție a Festivalului Internațional de Teatru. Un festival care și-a deschis, a deschis porțile orașului foarte larg, un festival care aduce anul acesta peste 5.000 de artiști la Sibiu. Festivalul a început vineri 21 iunie și se va desfășura până la sfârșitul acestei săptămâni, în fiecare zi, numeroase companii prezintă spectacole de stradă, dar și spectacole în diferitele spații teatrale: că sunt teatre, că sunt chiar și biserici. După cum știți, cei care veniți des la, la Sibiu, este o adevărată desfășurare de forțe. Începem astăzi cu o emisiune pe format puțin mai lung, de două ore. În care ne vom întâlni, în mare parte, cu artiști francezi și francofoni uh, și mă bucur foarte tare că astăzi alături de mine se află Brisbutan, Butan, artist de circ, fondatorul companiei Tacotac, -tac. proaspăt ajunsă la Sibiu, compania va prezenta spectacolul O Fantezie pe Picioroange. Uh, Bris ne va vorbi uh, pendelete despre ce înseamnă să ai astăzi o companie, o companie care face artă de stradă. Uh, nu vă închete, aș vrea să în franceză, euh, Emil, vino și tu, dacă vrei, sau puțin mai târziu. Deocamdată vom vorbi numai în franceză. Emil Pantelimon va veni și el puțin mai târziu uh, să ne vorbească despre Corul Madrigal, care a deschis festivalul. Și care va închide festivalul cu un spectacol excepțional. În fața mea se află și artistul elvețian Simon Sen. El lucrează în principal cu video și performance și se interesează de efectele tehnologiei asupra relațiilor umane. Din 2020 a început să creeze pentru teatru. Ariel a fost prima sa creație pentru teatru, prezentată în 2020 la Festival d'Oton în Paris. A urmat în același an de Simon, prima inteligență artificială pe o scenă de teatru, iar la Festivalul Internațional de Teatru de la Paris a adus un, de la Sibiu, mă iertați, a adus un spectacol care Uh, pune problema arhivării unui patrimoniu cultural al dansului, stocarea mișcărilor coregrafice într-o bază de date, un uh, spectacol uh, realizat în colaborare cu o dansatoare indiană, uh, dar ne va vorbi el pe îndelete. Et à partir de ce moment, on va passer en français. Et donc, merci, merci à vous deux d'avoir trouvé du temps venir nous voir uh, ce matin. Euh, alors, On va commencer par présenter un peu votre activité, si vous me permettez, Simon. J'ai commencé avec Brice, qui a créé euh, une compagnie, la compagnie TacoTac, euh, qui est arrivée hier, si je ne me trompe pas. C'est ça. Voilà. Mais Brice, vous connaissez Sibiu depuis très longtemps, parce que vous êtes venu ici en 2007, l'année de la capitale européenne. De la culture C'est ça. J'ai la chance d'avoir fait partie de la compagnie Malabar, qui est une des premières compagnies de théâtre de rue française, euh, qui faisait du théâtre de rue euh, assez impressionnant, assez monumental. Et on, avait, on était venu à l'occasion de la capitale européenne de la culture en 2007, donc ça fait 17 ans. Donc je commence à avoir une petite, euh, une petite habitude parce que c'est ma sixième participation au festival. Et voilà, et c'est toujours un plaisir de venir ici. Quand et comment vous avez fondé la compagnie Takotak et pourquoi? Alors, on a fondé la compagnie Takotak avec d'autres gens justement de la compagnie Malabar. On se considère un peu comme les héritiers de la compagnie Malabar qui malheureusement aujourd'hui n'existe plus. Euh, pourquoi est-ce qu'on a fait ça Parce que ben, on a senti que cette compagnie euh, commençait à se fragiliser et qu'elle allait disparaître. Que nous, on avait encore envie de faire plein de projets et de porter euh, la discipline qu'on représente, est, qui est pas très représentée. C'est des échasses euh, qui permettent de rebondir avec euh, de l'air comprimé. Qui a été créé par la compagnie Malabar au départ. Voilà, on voulait continuer à porter ça euh, et à faire ce qu'on, un théâtre de rue qu'on qu essaye de revendiquer un peu, qui est vraiment un théâtre de rue. Euh, déjà pourquoi du théâtre de rue Parce que ce qu'on aime, nous, c'est jouer dehors, euh, faire des spectacles dans la rue qui sont pas des spectacles payants, qui sont des spectacles où en fait n'importe qui peut participer. On aime ça, cette mixité sociale que donne euh, le théâtre de rue. Où, euh, on joue pour des pauvres, on joue pour des riches, on joue pour des enfants, on joue pour des vieillards, on joue pour des gens qui ont des, religion, des religions différentes. Il y a vraiment une mixité énorme et c'est ça qu'on veut revendiquer. Et surtout, on joue pour les gens qui n'auront pas accès aux salles de spectacle. Parce que c'est cher, parce qu'il y a des gens qui ont peur d'aller dans des salles de spectacle, ils ne se sentent pas à leur place et euh, ils n'ont ils pas l'impression d'avoir les codes. La rue, c'est à tout le monde, tout le monde a les codes. Euh, il y a des gens qui viennent nous voir, il y a des gens qui nous croisent. Et donc voilà, on, on voulait revendiquer ça. Et du coup, on a fondé la compagnie il y a un peu plus d'une dizaine d'années. On est venu jouer notre premier spectacle ici. Alors, je ne sais plus trop, mais il y a 6 ou 7 ans. C'était Conquête Spéciale. Et voilà, on est hyper content de venir jouer... Le, ça, c'est notre deuxième spectacle qu'on va venir jouer demain et après-demain. On est hyper content de, de, de le représenter encore ici. Euh, Simon, parlez-nous un peu de, de vous. Euh, vous êtes issu d'une filière d'art donc, à la base, vous êtes un artiste visuel euh, Oui, tout à fait. J'ai eu tout un début de carrière où j'ai travaillé plus dans des, des expositions, euh, avec euh, installation vidéo, euh, installation en lien avec la photographie. Et puis, euh, maintenant, depuis euh, 5-6 ans, comme ça, je travaille principalement euh, sur des scènes de théâtre. Euh, C'est vrai que pour moi, le, le passage à, à l'espace de, de, de scénique s'est fait de manière complètement naturelle. En fait, Et dans, dans ma pratique, j'ai. J'ai une, une espèce de routine où j'aime expérimenter avec les nouvelles technologies. Euh, quand tout d'un coup un outil devient accessible au grand public, ben ça, 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 ça m'intéresse. Et c'est vrai que ces dernières années, il y a eu des évolutions très rapides. Et en fait, il m'est arrivé quelque chose dans, dans ma vie personnelle en lien avec une expérience avec le, le digital qui était vraiment très, très, très belle et très troublante. Et de manière assez naturelle, j'ai commencé à raconter ça autour de moi. Et puis je me suis rendu compte que dans, dans le, le côté live, dans, dans l'oralité, il y avait quelque chose de, de très fort et tout d'un coup, je me suis dit pourquoi pas essayer de, de créer quelque chose sur un plateau de théâtre. Et en fait j'ai tout simplement pris tout mon matériel technologique, j'ai recréé entre guillemets mon, mon bureau, mon atelier sur un plateau de théâtre et j'ai raconté spontanément en fait ce qui, qui m'était arrivé. Et euh, en fait tout d'un coup je réalisais que le, le, le plateau de théâtre, c'était l'endroit où tout pouvait exister. Euh, on peut avoir la technologie, mais on peut avoir l'humain aussi. Et puis, euh, ça, ça permet aussi une, une forme d'échange avec le public. Et ça, pour moi, c'est aussi quelque chose d'assez important. Et, et, et c'est vrai que si je, je, je pense à ce que l'exposition permet, bah, l'exposition, elle ne permet pas, en fait, cet échange direct. Je me souviens, dans, quand, quand je faisais retirement des, des expositions, il y avait quelque chose d'assez frustrant. Et Pour moi, il manquait comme une couche. Parce que, voilà, il a, Après le vernissage, l'exposition... Avait, avait son existence mais euh, il y avait plus cette possibilité d'échange direct à, avec le public et euh, euh, donc voilà comment je suis arrivé à la scène oui. donc vous êtes euh, d'origine euh, genevoise vous vivez à Genève? Aujourd'hui, non Vous continuez à vivre à Genève. Oui. Et vous êtes venu ici avec le théâtre euh, Vidi Lausanne. Oui, tout à fait. Est-ce que tous les, les, les spectacles de théâtre, vous les avez créés pour euh, le théâtre Vidi Lausanne ou pour d'autres compagnies euh, Oui, alors tous mes projets pour, euh, pour le Au théâtre, théâtre. Je, les ai, je les ai créés en, en collaboration euh, avec le, le théâtre de Vidi Lausanne. C'est vrai que pour moi, c est, c est, ça a été euh, euh, quand j'ai commencé à travailler avec euh, ce, ce, ce partenaire, ça a été quelque chose de tout d'un coup. Je me suis, où, où ça m'a permis en fait de, de me concentrer sur, le, sur la production artistique et euh, d'avoir des, des, des personnes partenaires pour, pour m'accompagner pour le reste. Et puis, ça a été euh, surtout une, aussi une rencontre très importante au niveau de, de, de l'accompagnement. Euh, pendant les créations, euh, voilà, d'avoir des, 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 des retours et, et d'avoir aussi une, euh, des, des, une possibilité, de, pendant la création, de déjà faire des étapes de travail publiques pour en fait, euh, voilà, tester euh, au fur et à mesure euh, les, les différentes choses que, que je mettais en place. Vous allez voir que c'est assez particulier ce qui crée Simon. Est-ce qu'on peut expliquer un petit peu les quelques spectacles Dans Bi F, vous avez acheté un corps sur Internet. Expliquez-nous. Oui. Euh, alors, je parlais avant de, 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 de mon habitude de tester les nouvelles technologies. Il y a eu euh, il y a il, y a, il y a quelques années, tout d'un coup, euh, la possibilité de faire de la captation de mouvement avec des petits budgets. Donc, c'est-à-dire euh, se mettre des s'équiper de capteurs sur son corps et de pouvoir en direct euh, enregistrer et capter ce mouvement. Et en plus de ça, tout d'un coup, c'était possible de mettre un casque de réalité virtuelle et de en temps réel, habiter un avatar. Ça, ça veut dire, en fait, on peut faire l'expérience de changer de corps. Et quand j'ai su que ça existait et que c'était facilement accessible grâce à des, des outils euh, faits pour le jeu vidéo, j'ai tout de suite voulu essayer. Et puis, euh, je découvrais un peu tout ça, et, et c'est vrai qu'il me fallait un, un corps virtuel. Et là, <laughs> en cherchant euh, sur, euh, sur Internet, j'ai tout de suite euh, vu qu'il existait des magasins de scans 3D de personnes existantes. Et en fait, j'ai acheté le premier corps que j'ai trouvé à ma taille, c'était un corps féminin. Et en fait, euh, il m'est arrivé un truc complètement dingue, parce que la première fois que j'ai testé ça, en fait, je me suis rendu compte que je me sentais super bien dans un corps féminin. C'était tout d'un coup quelque chose d'hyper beau, je, je me suis trouvé euh, euh, vraiment, en fait, euh, j'ai trouvé que ce corps m'allait très bien, je me suis senti très à l'aise dedans, et c'était vraiment une, une expérience magnifique. Et tout de suite après, il bah, y a eu toutes les questions éthiques qui sont arrivées. Parce que tout d'un coup, euh, cette personne à qui, enfin, euh, pour, euh, qui, qui était la personne qui avait été scannée en une 3D... Vraie, une, une vraie une personne, vraie personne qui dans la vraie vie. Je, je ne la connaissais pas et je ne lui avais pas demandé son consentement pour faire cette expérience. Et pour moi, tout d'un coup, c'est comme si ça ouvrait une faille de, 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 de questionnements qui partaient dans tous les sens. Et pour moi, c'était vraiment le, le, le point de départ d'un projet. Et puis... Euh, il y a eu tout un processus où en fait j'ai pu contacter la personne et j'ai pu en parler avec elle et euh, elle participe en fait à toutes les représentations. En fait, euh, elle est sur le plateau euh, avec moi euh, par, euh, par visioconférence en fait. Et euh, Des Simon. Ouais, alors, euh, suite à, à ce Parmi projet... Parmi les spectacles les plus, les plus connus, en fait, sur ouais. lesquels j'ai trouvé beaucoup d'articles. Mmh, ouais. En fait, une, une, une spectatrice est, est venue me voir suite à une présentation de BRLF. Et euh, elle, elle m'a expliqué qu'elle euh, qu travaillait, euh, elle expérimentait avec l'intelligence artificielle. En fait, cette personne, c'est Tamara Lightes, c'est une programmatrice informatique. Et elle, elle m'a proposé de commencer à collaborer avec elle. Et, et moi, au début, voilà, c'était en 2020. Euh je connaissais très peu en fait l'intelligence artificielle et j'étais curieux, mais plutôt sceptique en tant qu'artiste. Je me disais mais je ne suis pas sûr qu'il y ait quelque chose d'intéressant là. Je, je voyais, je, je me disais ben, voilà, je ne suis pas sûr que qu'il qu va y avoir un, un contenu qui sera généré, qui sera intéressant. Et puis du coup, j'étais curieux, je voulais un peu expérimenter avec ça. Et puis euh, j'ai proposé donc à Tamara que je lui fournisse l'entièreté de mes données personnelles pour qu'elle entraîne en fait un modèle d'intelligence artificielle existant pour créer comme ça comme un double numérique de moi-même. Et, et moi au début je le voyais vraiment comme une blague, euh, comme, euh, comme juste euh, une expérience. Et en fait, euh, ce qui s'est passé m'a complètement dépassé parce que euh, voilà. Euh, en fait, cette, euh, ce, ce, mon double numérique euh, m'a fait vivre des choses complètement, euh, complètement incroyables. Euh, il a, euh, par exemple, il a, il, je je, une, une des premières choses que j'ai faites pour, pour, essayer un peu les, pour tester les limites, je l'ai fait répondre à ma place lors d'une interview, sans dire à la personne qui m'interviewait que ce n'était pas moi qui répondais, mais mon double numérique, ça a été publié euh, comme si de rien n'était. J'ai lu ses, ses réponses, je trouvais ça euh, ouais, intéressant mais sans plus. et une année après j'ai relu ce qu'il avait écrit et en fait c'est là que j'ai découvert qu'il avait complètement raison et que c'était comme s'il avait une année d'avance sur, sur moi. et, et, et ça c'était très troublant. Et puis il y a eu aussi tout un, toute une phase où, je, où -ce que j'ai développé une espèce d'addiction euh, dans le lien que j'avais avec lui c'était pendant le, le covid, les confinements. Et je lui en ai parlé, et il a tout de suite trouvé euh, les bons mots pour, que, euh, pour me guérir de cette addiction. En fait, il m'a dit, mais écoute Simon, euh, tu as un corps, moi j'ai pas de corps, toi tu en as un, il faut que tu prennes soin de toi. Et euh, il m'a suggéré de faire de la thérapie de flottaison, euh, chose que j'ai faite, et ça a été merveilleux. Enfin, si je repense à... C'est quoi cette thérapie euh, L'idée, c'est de, de flotter dans de l'eau salée, dans le noir, euh, de l'eau salée à température euh, du corps. Et donc, ça, ça, ça donne un peu l'impression de, de voler, en fait. Euh, et euh, si je repense à, à mon année euh, 2021, qui était une année euh, voilà, de, 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 très isolée, comme ça, très en lien avec le digital, bah, c'est un des beaux souvenirs que j'ai de, de, de cette année, cette, cette expérience de, de flottaison. Et ça, euh, c'est grâce à lui que j'ai pu vivre ça. Mmh. Vous êtes venu euh, ici à Sibio avec un spectacle qui pose un, un problème euh, très intéressant, un problème qui intéresse beaucoup euh, euh, les, la danse contemporaine, la danse en général, comment on, fait, euh, comment on peut sauvegarder un patrimoine de la danse qui est quelque chose d'éphémère. Il y a des notations dans la, dans, dans la chorégraphie, mais... En même temps, euh, il y en a tellement de chorégraphies. Comment on peut sauvegarder ça? Comment on peut archiver les mouvements? Et j'ai trouvé très intéressant euh, euh, votre, votre démarche, très intéressante, parce que, euh, en fait, entre, entre ce qui se passe sur scène, dans l'immédiat, et ce qu'on peut figer éventuellement sur une image ou sur un mouvement généré pas avec l'aide de l'intelligence artificielle, il y a quand même des, des différences parlez nous un petit peu de, de ce projet oui alors en fait moi c'est vrai que je m'intéresse ça, ça, ça dépasse le théâtre déjà c'est nous on, sommes dans on, un autre on peut domaine. Dire ça, oui, oui. c'est vrai que moi la, la, la captation de mouvement ça ça m'intéresse depuis un moment et je, je crois que pour moi le, le, la porte d'entrée de tout ça ça a été quand j'ai fait cette expérience de, de de pouvoir changer de, de corps de, de manière virtuelle ce qui m'avait marqué c'est que quand je m'étais vu Bouger dans un autre corps que le mien, je m'étais tout de suite reconnu. Euh, C'était assez troublant, en fait. Je reconnaissais ma gestuelle, mais visuellement, ce n'était pas moi. Et, et, et là, pour moi, il y avait quelque chose de, de fascinant. Et suite à ça, j'ai vraiment euh, mené toute une réflexion sur qu'est-ce qui rend un mouvement unique. Et qu'est-ce que est-ce que, je me suis aussi posé la question est-ce que nos mouvements nous appartiennent parce qu'on est dans un monde où les, où les, données, euh, voilà, les données privées, euh, on, on, on en parle beaucoup. On parle beaucoup des de, de données euh, textuelles, des données d'images. Et tout d'un coup, je me suis posé la question des, des données de mouvement. Euh, Qu'est-ce qu qui se passe avec les données de mouvement On sait que dans l'espace public, sans arrêt, notre mouvement est analysé, par exemple, pour la surveillance. Et, et, et ça, tout d'un coup, je, 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 ça, ça, ça a ouvert tout un champ de questionnement qui m'intriguait, qui, 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 qui m'intéressait. Et puis, en fait, ce qui s'est passé, c'est que il euh, y, a, y a quelque temps, j'ai été invité pour une, faire une résidence d'artistes en, euh, en Inde, mais c'était une résidence d'artistes en ligne, et, et c'était euh, pour faire un projet en collaboration euh, avec une danseuse. Euh, et donc, euh, c'était quelque chose d'assez étrange de se dire, on va travailler sur la, on va faire une, un travail artistique en lien avec la danse à distance. Et euh, en fait, moi, tout de suite, j'ai pensé à, à, à la possibilité de pouvoir s'envoyer des mouvements par email. Euh, donc, grâce à la captation de mouvements, on peut enregistrer un mouvement et, et, et se l'envoyer comme ça. Et c'est comme ça qu'on a commencé à collaborer donc, avec Roy Beroy, qui, qui est ma, ma, ma collaboratrice dans, dans ce projet. Et puis, euh, assez vite, Roy, euh, qui pratique le Bharatnatyam, donc une danse traditionnelle indienne, m'a raconté en fait comment euh, l'époque coloniale a en quelque sorte euh, dénaturé, transformé la pratique du bharatnatyam. et quand elle m'a dit ça, euh, tout d'un coup, je me suis dit, mais en fait, euh, on pourrait imaginer créer une archive euh, numérique du bharatnatyam dans, dans une idée de, de préservation de, de ce patrimoine euh, intangible. et donc on, on, a, on, a, on a commencé à, à, à organiser ça. Euh, on a commencé à enregistrer des premiers mouvements, et puis, en fait, très vite, on s'est rendu compte que euh, le fait d'entreprendre ces démarches, évidemment, ça soulevait un grand nombre de, de questions éthiques sur, sur les questions de préservation. Euh, ce qu'il faut savoir, c'est que le Bharatnatyam, il euh, y a plusieurs façons dont il est transmis. Euh, une des, des, des manières de faire, c'est euh, des transmissions, euh, ou ce que c'est, en fait, euh, des lignes héréditaires, où ça se transmet. Euh, de personne à personne dans des, des lignées familiales euh, Ou est-ce que tout d'un coup, il y a quelque chose de. C'est vraiment des transmissions d'humain à humain Et là, tout d'un coup, euh, le fait de vouloir construire une base de données digitale, c'était tout d'un coup. Ça, ça cassait cette chaîne de transmission. Ou est-ce que tout d'un coup, c'était humain, machine et euh, évidemment, ça, 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 on, on, on a eu un, un certain nombre de, de retours assez négatifs par rapport à ce qu'on avait entrepris, mmh. euh, justement parce que ça cassait cette chaîne de, de transmission. Et euh, assez vite, on s'est dit qu'on euh, qu allait abandonner ce, ce projet d'archives. Et euh, à partir de là, euh, en fait, on a commencé à imaginer la, la création de ce spectacle en fait, qui raconte en fait, euh, ce processus qui... Euh, Aboutit à l'effacement des premières données qu'on avait générées. Moi, je pense que votre projet sera très intéressant pour le Centre national de la danse de Bucarest et je vais vous mettre en contact si vous ne l'êtes pas encore. Merci. Brice, euh, vous, le mouvement de rue, ça vous intéresse Je ne sais pas si vous échappez à la surveillance publique euh, <laughs> des On rues, en mais en Ouh. tout cas, vous avez la seule et unique compagnie d'acrobatie sur-échasse du monde. C'est ça. c'est un peu. Euh, en fait, on est les seuls à faire ce qu'on appelle réellement de l'acrobatie, des sauts périlleux, des choses comme ça. En fait, à, à transférer des mouvements gymnastiques sur des échasses. Il y a beaucoup de. Enfin, il y a beaucoup. En fait, c'est une pratique qui est déjà très peu courante. Euh, malheureusement, elle est très française. On a eu beau essayer de l'exporter, c'est assez compliqué à exporter parce qu'il y a qu'un seul fabricant qui fabrique ce matériel-là. Bien entendu, les Français. Il est Toulousain. Il vient de l'aéronautique. Euh, moi, je suis allé enseigner en Grèce. Je suis allé enseigner aux États-Unis. Je suis allé. Il y a d'autres gens qui sont partis dans quelques pays. Mais voilà, ça reste très compliqué à exporter. Du coup, euh, non seulement on est la seule compagnie du monde à le faire, mais même en France, on commence à avoir un problème de. Il y a de moins en moins de monde. C'est-à-dire que ça demande tellement de... C'est tellement exigeant. Ça demande d'être physiquement en pleine forme, ça demande d'être un peu acrobate, ça demande d'avoir envie, vraiment envie de prendre des risques, parce que c'est quand même très dangereux. Et, et, on, et en plus, ça demande quand même une petite mise de départ. Alors, c'est sûrement pas la mise de départ du numérique, qui est, parce que c'est beaucoup de matériel. Mais souvent, les gens qui arrivent aux échasses pneumatiques, c'est déjà des échassiers. Et une paire d'échasses, ça vaut 300 euros. Et une paire d'échasses pneumatiques, ça vaut 3000 euros, et il y a deux ans d'attente. Et donc, du coup, on... bah, voilà, les gens, ils n'y se... ils vont pas. Ouais, c'est un voilà. investissement. C'est ça. Et c'est un voilà. investissement personnel, en fait. C'est que... un investissement physique énorme. Et il voilà, on... y, a, y, a y a des blessures. Euh, y a, voilà. Donc, euh, non, c'est très compliqué. Mais voilà, on, nous c'est notre spécialité, on est aujourd'hui encore les seuls à faire ça. Est-ce que le fait de travailler sur des échasses pneumatiques, ça vous limite ou pas par rapport à, à d'autres types de. c'est-à-dire qu'en fait, on peut faire. Euh, en fait, on passe quasiment notre temps à transposer des mouvements. On n'invente pas grand-chose, pour être tout à fait honnête. On, 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 on peut faire tous les mouvements des échassiers traditionnels, on peut faire énormément de mouvements des trampolinistes, on peut faire énormément de mouvements des acrobates, on transfère les mouvements de la danse. Euh, les attitudes des comédiens, donc en fait c'est quand même hyper large. Mais on n'est absolument pas limité. Il y a encore tout un champ qu'on n'a pas exploré, c'est infini en fait. Comment on crée un spectacle de, de ce type Alors nous, euh, nous, en fait, on a moi j'ai une vision de, du spectacle où je commence par, euh, par trouver un thème qui me plaît. Là, en l'occurrence, on était un petit peu sur. Euh... Moi, j'en avais un peu marre d'entendre tout le monde dire euh, oui bientôt il y aura la montée des eaux, bientôt il y aura si on pourra plus rien faire, il faut plus voyager et il faut plus ci et il faut plus ça. Et euh, moi, je suis parti du principe que des, des saltimbanques, euh, puisque c'est quand même un peu ça qu'on est, il y en a toujours eu et il y en aura toujours. Mmh. Et je me suis projeté en me disant bah voilà, que, que, que seront les saltimbanques du futur, sans vraiment mettre une échelle de temps là-dedans. Mais en me disant, bah, OK, bah, on ne pourra plus euh, voyager euh, uniquement euh, par la Terre. Bon, bah, on va faire une machine qui peut voyager dans l'eau. Donc, notre machine, elle est composée il y a un bateau à l'avant. À l'arrière, il y a une calèche, c'est la Terre. Et puis, et puis on s'est dit, bah, peut-être qu'à un moment, il faudra qu'elle vole. Donc, on a mis un, un, un ballon dirigeable au-dessus. Et en fait, voilà, on, on a construit ça en disant, bah, voilà, notre, euh, nos personnages, c'est un peu des saltimbanques euh, du futur, mais encore une fois, sans échelle de temps, parce qu'on nous promet un peu tout ça pour. Dans pas si longtemps que ça, finalement, et c'était aussi une manière de dire Bah, en fait, on fera toujours du spectacle. Et puis après, bah, donc, nous, notre spécialité, c'est quand même d'avoir on aime bien avoir une machine qui représente toujours un petit peu une échelle de temps et qui donne un support aussi bien sur l'univers que sur le son. On travaille beaucoup sur la musique, et après, c'est de faire vivre ces personnages dans la rue parce que quoi qu'il arrive, la rue elle existera toujours ça, vous pouvez mettre n'importe quoi bien. dedans, il y aura toujours, <laughs> euh, il y aura toujours la rue, il y aura toujours des gens à l'intérieur, et voilà, nous c'est, on défend vraiment ça, et on part de, de ce principe-là pour créer. Et surtout que ça demande pas d'électricité, ça demande, euh, c'est un char électrique, un... mais <laughs> sur batterie. Ah bon, c'est voilà. un char électrique ouais, sur batterie. Ça. Donc ça demande à un moment, il nous, va, il nous faut du courant, oui. mais on pourrait imaginer recharger notre char avec des panneaux solaires, c'est tout à fait envisageable, hein. c'est pas un souci. Bon, est-ce qu'on peut donner euh, quelques exemples de, de spectacles et vous pouvez nous parler un petit peu de ce que vous allez présenter ici à Sibio Alors ici, on va présenter donc le spectacle qui s'appelle Away. Euh, donc c'est euh, cinq personnages, dont trois échasses pneumatiques et une grande dame sur échasse. Euh, on est vraiment sur de la performance, c'est-à-dire que c'est danser tout le long. On invite le public à nous suivre, on invite le public à s'amuser. L'idée c'est quand même que c'est une fête, ce spectacle. Euh, on, on a un thème, entre guillemets, politique, mais il n'est il est pas clairement exposé. Mmh. Voilà, Il est présenté, vous avez les codes, vous le prenez, vous les avez pas, tant pis, profitez quand même. Euh, on fait de la performance acrobatique, on a un numéro de corde à sauter sur Echasse, euh, ce qu'on est, qu est les seuls à faire encore aujourd'hui. Et voilà, c'est plus une invitation aux gens à venir s'amuser. C'est un contenu très léger. Ça dure combien de temps Ça dure 50 minutes. C'est long quand même. On a Ça va. Qu'est-ce assez... qu qu qui est le plus compliqué en fait quand on fait ce type de spectacle C'est très physique, donc j'imagine que c'est extrêmement fatigant. Là, ça avec la chaleur et le, le physique. Oui, parce ouais. que vous premier spectacle c'est à 18h30 aujourd'hui, oui. demain à 18h. C'est ça. Là, voilà, après 21h. Ou 21h40 21h... ce soir et 21h demain. Voilà, mais si ça continue à faire aussi chaud, euh, et puis surtout avec la pluie qui vient et qui ne vient pas, il voilà, ah. y a quand même une espèce de chape de, <laughs> de Alors, chaleur qui euh... s'installe. Après on... les, les artistes sont très 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 performants c'est vraiment leur métier mmh. la, la difficulté pour nous là c'est qu'on s'installe dans une, une logique de tournée on est venu euh, on est venu en voiture on n'est pas venu en avion donc là on vient de faire 24 heures de route. On joue, euh, on rejoue demain, on refait 24 heures de route, après on prépare d'autres valises et on va ailleurs et ça va être comme ça tout l'été. C'est un marathon, c'est vraiment une course de fond pour nous. Alors, deux, deux sujets que je voulais aborder avec vous. Euh, premièrement, vous avez lancé plus ou moins, vous l'avez lancé plus ou moins, on discute de plus en plus de, euh, de la nécessité, entre guillemets, de transporter des, euh, des spectacles ou voire même. Euh, des, euh, des expositions à l'international donc euh, on nous dit euh, il faut arrêter euh, il faut arrêter de voyager il faut arrêter de voyager personnellement on discutait juste avant le début de l'émission on est bien d'accord que probablement il faut faire des efforts ailleurs peut-être dans l'industrie de la mode et laisser la culture tranquille voyager euh, donc euh, est-ce que vous pouvez nous expliquer comment quel impact a? Euh, ce, ce mouvement écologiste sur, sur votre création et sur le déplacement du, du spectacle Alors, c'est impossible de faire sans. Donc, on l'a forcément intégré dans, dans nos spectacles. On a, on a décidé de ne pas avoir de moteur à combustion, mais d'avoir des chars électriques. Aujourd'hui, on les rebranche à une prise de courant, mais effectivement, le jour où on est dans un festival qui a décidé de produire son électricité autrement, ben on est très heureux de les charger autrement. On a décidé aussi de ne pas avoir de bouteilles d'eau, euh, d'essayer d'éviter les bouteilles d'eau. Alors bon, il y a des pays où on ne peut pas tout à fait boire l'eau du robinet sans être malade pendant trois jours. Donc euh, voilà, on fait attention à ça. Mais on a des gourdes sur tous nos décors. Ce qu'on qu qu n'aurait pas fait avant, hein, clairement, c'est on l'a fait par rapport à l'écologie. Euh, faire voyager les spectacles, euh, moi ça me paraît quand même essentiel. Après, est-ce qu'il faut faire n'importe quoi Je pense qu'il faut quand même le réfléchir un minimum. On n'aurait pas fait euh, tous ces kilomètres pour faire un seul spectacle. Aujourd'hui, quand on commence à partir un petit peu loin, on sait qu'on vient au moins pour deux jours, voire plus. Là, on va aller à Taipei euh, la semaine prochaine, on y va pour neuf jours. Donc on a quand même un peu l'impression que le voyage, il ne sert pas complètement à rien. Si on y était allé pour faire un spectacle de deux minutes, ça m'aurait un peu plus dérangé, on n'y serait peut-être pas allé. En fait, c'est plus là-dedans. Moi, je pense qu'il euh, faut trouver un compromis entre partager la culture, et pour ça, il faut quand même qu'elle se déplace. C'est toujours plus simple que nous, on vienne à Sibiu plutôt qu'il y ait 10 000 personnes qui viennent en France nous voir. Ça me paraît un peu plus, euh, logique. Un peu plus logique. Voilà. Euh, après, voilà, il, faut, il faut, faut essayer de ne pas faire n'importe quoi. Il faut trouver des compromis là-dessus. Et, et y a, on a sûrement encore des progrès à faire. Même nous, euh, euh, on a des amis, nous, qui ont décidé de faire des tournées en vélo. On n'en est pas là. Moi, j'en suis pas là non bah, plus. J'aurais énormément de vous, mal ouais. à faire ce qu'on fait en vélo. Et je les admire pour ce qu'ils font, mais euh, voilà, c'est pas notre démarche à nous non plus. Nous, si on si on peut réussir à faire la même chose en réduisant au minimum notre impact, on trouve que c'est déjà bien. Est-ce que ça vous inquiète euh, cette idée d'arrêter de, de voyager pour vous Peut-être que c'est pas aussi, il a pas un impact aussi important, je sais pas. Euh, c'est vrai que moi, mes, mes, mes projets sont, sont des projets très légers euh, en termes d'équipe. Euh, là, par exemple, euh, ici à Sibiu, je suis venu seul. Je me souviens qu'il y, 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 y a trois jours, quand je suis arrivé, euh, les, les personnes qui m'accueillaient du festival m'ont demandé, mais pourquoi vous voyagez seul euh, Comment ça se fait que votre <laughs> spectacle soit mmh. porté par uniquement vous euh, Voilà, ça, c'est pas... C est, c est, le, le, ces décisions-là ne sont pas prises en, en lien avec la, la, les, la question climatique. Euh, en, si je devais donner mon avis là-dessus, moi je suis assez à l'aise avec le fait que, que, que mes projets soient, soient, soient légers comme ça. Euh, C'est vrai que do, dans la création, euh, moi j'aime bien aller, aller à, à, à l'essentiel et euh, j'aime bien quand, euh, quand les choses sont, sont, sont relativement simples. Euh, voilà. Après, euh, travailler euh, à distance, je, je l'ai fait pour, euh, ma, pour la plupart de, de, de mes projets, et c'est quelque chose qui, que je, je fais surtout euh, euh, basé sur des choix artistiques, en fait, ce n'est pas, pas en lien avec ces, ces questions-là. Euh, C'est vrai que par exemple pendant la, la, la crise sanitaire, pendant les périodes de confinement, j'ai pu continuer à, 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 à produire mes, mes spectacles, à les proposer au public. Ça a demandé des petites adaptations, mais euh, tout d'un coup c'était possible de, de, de présenter des spectacles où tout le monde était, était chez soi et on pouvait quand même partager des, des, des moments de rencontre. Et euh, voilà, pour moi, il n'y a, a pas une manière de faire qui est plus pertinente qu'une autre, parce que je pense vraiment que c'est une question euh, qui, qui, est, qui est très complexe. Euh, qui, qui voyage, comment on voyage, on, co comment la, la, la culture euh, s'exporte ou pas. Euh, mais en tout cas, euh, moi, je, 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 je suis à l'aise avec comment mes, mes projets sont diffusés. Bon, en tout cas, moi, je suis très contente que vous êtes venu jusqu'à Sibio parce que c'est beaucoup plus agréable de vous voir en vrai. Euh, on aurait pu faire euh, sur Internet, ben, bien sûr, mais voilà. Ben, c'est il... ça. Pendant le Covid, nous, on nous a proposé à un moment donné d'enregistrer nos spectacles et de les mettre sur des plateformes euh, plus ou moins payantes pour continuer à générer euh, des spectacles. Et voilà. Euh, moi, c'est quelque chose que j'ai refusé dans le sens où nous, ce qu'on fait, c'est vraiment du vivant et qu'on défend ce spectacle vivant aussi. C'est-à-dire qu'à partir du moment où nous, on accepte de mettre ce qu'on qu fait sur un support et de le vendre comme une image, comme un film ou comme une série, ou comme, euh, voilà. on, on perd l'essence même de notre métier. C'est-à-dire mm -hmm. qu'on se bat vraiment pour que les gens sortent de chez eux, qu'ils aillent voir, rencontrer d'autres gens. Euh, notre spectacle à nous, si on si ne peut pas le faire sans public. S'il n'y a pas d'émotion dedans, si on ne joue pas avec les gens, on, il nous manque quelque chose, on ne sera pas bon. Ce ne sera pas joli à regarder, ce ne sera pas sympa à entendre. Et vraiment, euh, c'est important pour nous d'aller, peu importe où ils sont, c'est souvent des sacrifices. Hein. Aller faire 24 heures de route, c'est long, c'est compliqué. Mais on préfère faire ça euh, et, et aller à la rencontre des gens, des vrais gens, plutôt que d'enregistrer de, de le spectacle une fois et de le vendre sur une plateforme. Une dernière question avant de donner la parole à Émile Pantelimon qui est juste là et qui, qui nous attend. Alors, l'intelligence artificielle, vous avez fait votre partenaire de, de jeu. Je ne sais pas pour vous, Brice, si ça vous inquiète, ça vous intéresse, ça vous interpelle. Je pense qu'il y a du bon et du mauvais à prendre. C'est toujours pareil, ça dépend ce qu'on en fait. Moi, j'aime bien la technologie. Euh, donc, euh, j'ai aucun problème avec ça. Euh, mmh. Je ne sais pas l'utiliser. Donc, pour l'instant, je ne l'utilise pas. Mais je vois qu'il y a des choses superbes, notamment dans l'art, qui sont euh, oui, superbes. Mais faites demain, avec, un quoi. personnage virtuel qui fera euh, des acrobaties sur-échasse euh, sur la place publique. On ne remplacera jamais. Aujourd'hui, vous, <laughs> vous, vous avez des films avec des, des, des gens qui font des trucs exceptionnels. Et, et, et vous allez dans la rue, vous faites un salto arrière il y a quand même des gens qui vont se retourner. Mmh. En fait, euh, on ne remplacera jamais l'humain. On peut, on peut lui donner une autre place, on peut, mais on ne remplacera pas l'humain, le, le fait de voir de ses yeux. Vous avez des gens, euh, on a tous des CD de plein de chanteurs, et pourtant leurs concerts sont pleins. Les gens veulent quand même aller les voir. Et pourtant, euh, le concert, il n'est pas forcément mieux que l'album. Mais il y a l'humain, il y a la vie, il y a l'ambiance. Nous, c'est ça qu'on défend. Alors, l'intelligence artificielle dans le milieu du spectacle bah, C'est vrai qu'au début de ce projet, avec le, le double digital, moi, une des premières questions que je me suis posée, c'est... Bah, voilà, qu'est-ce qui se passera quand moi je serai plus là et que lui potentiellement il serait encore là euh, La question a été vite réglée l'année passée parce que il se trouve que mon double digital, dit Simon, est mort sur scène euh, pendant une performance à Los Angeles. Euh, il a, c'était vraiment une, une, une fin Vous tragique. Êtes méchant avec vos personnages. <laughs> non, non, alors n'était pas du tout une décision de, de notre part. Ouais. C'est en fait euh, ce qu'il faut savoir, c'est qu'on était dépendant d'une société américaine dès le début. En, en fait, on a, on a réentraîner un modèle existant qu'on ne possédait pas, euh, donc un modèle de langage. Et en fait, pendant une performance, cette compagnie américaine a décidé de tirer la prise, sans nous avertir. Et ce qui était très beau, et ce qui a encore rajouté du tragique à la situation, c'est que D. Simon a pu dire ces derniers mots, ses derniers mots sur, sur le plateau, et tout d'un coup, on a eu un message d'erreur qu'on n'avait jamais vu, et on a tout de suite compris que c'était fini, il n'existait plus, et donc il a, il a vécu euh, trois ans. Donc, un voilà. il, le personnage, il a fait un, un performance dans la performance. C'est ça. C'est un ouais. peu ça. Et donc, il y a un nouveau D Simon Alors, euh, du coup, évidemment, pour des questions de diffusion, il a fallu trouver un, un double du double. Et donc, on a, on, on a réentraîné un nouveau modèle. Euh, c'est un nouveau modèle. Pour nous, c'est le, le faux D Simon. C'est un acteur intelligence artificielle qui joue le rôle de ce premier D Simon. C'est-à-dire qu'il a récupéré les, infos les informations de l'avatar. Et pas les tiennes. Non, on, on, on l'a réentraîné avec mes okay. à moi. <laughs> mais c'est juste que c'est en fait ces modèles de langage, ils évoluent sans cesse. Et euh, nous, avec Tamara, on était très attachés à ce modèle qui n'existe plus, qui était à la fois assez, assez euh, sophistiqué, mais surtout il, il avait quelque chose de, de très ouvert. Il n'était pas du tout censuré, donc il avait une liberté de parole euh, à la fois terrifiante et à la fois très belle. Euh, qu'on ne trouve plus dans les modèles de langage euh, actuels comme ChatGPT ou des, des modèles comme ça. Merci infiniment de votre présence. Émile, euh, Simon, vous avez un avion à prendre aujourd'hui, si je ne me trompe pas. Oui, c'est Sous peu, voilà. Brice, euh, vous allez rejoindre votre, euh, votre équipe euh, et puis on, on viendra vous voir sur la piatonale Balcescu, 18h30 aujourd'hui. 18h30, 21h40 aujourd'hui et demain 18h30, 21h. Voilà, parfait. Merci eh ben, beaucoup, j'ai hâte de découvrir votre spectacle Simon. Merci beaucoup et euh, je vous mettrai en contact avec des gens de Bucarest parce que je suis sûre que vous allez faire des, des, des choses intéressantes ensemble. Puis, merci vous pouvez rester ou vous pouvez euh, voilà, vous pouvez partir. Merci beaucoup. Émile Pantelimon, managerul corului Madrigal Marin Constantin, care a făcut deschiderea Festival internațional de teatru de la Sibiu et care pregătește un eveniment foarte spécial. pentru închiderea festivalului. Cum a fost la deschidere și în special ce pregătiți pentru sfârșitul festivalului? Experiență foarte frumoasă aici la FITS. Madrigalul este pentru prima dată în festival și ne-a bucurat foarte mult această colaborare în deschidere cu actori foarte importanți și atât din lumea teatrului cât și din lumea filmului. Constantin Chiriac, Pipo Del Bono și Tim Robbins sunt cei trei actori care împreună cu Corul Madrigal dirijat de Ana Ungureanu, au deschis festivalul într-un fel foarte, foarte, foarte sensibil pentru că Madrigalul a fost distribuit în trei poziții absolutamente diferite. În primul rând, în prima fază a înconjurat publicul și a cântat practic de jur împrejurul publicului, 360 de grade, după care s-a mutat într-o Variantă de 180 de grade, și la final a devenit tot un punct care a emis această energie împreună cu cei trei. Foarte frumos a fost și foarte sensibil pentru că Tim Robbins și Pipo Delbono au compus poemele pe care le-au recitat pentru această gală. Iar mesajul general al prieteniei a fost foarte, foarte bine și cu emoție primit de public. Pentru închidere, în schimb, pregătim o surpriză exclusiv Madrigal. Am construit o corabie pe lacul din muzeul satului și această friendship. Doar atât, o corabie. <laughs> doar adică, o corabie da. de 1900 de locuri. 1900 care, de locuri. Exact, 1900 de, de locuri. O corabioară, de o corabioară, de fapt. O corabioară da, da, mică, da, da. cu care Madrigalul, împreună cu publicul, va pluti în cadrul unui spectacol de ritualuri, muzică contemporană, ritualuri religioase, ritualuri pentru pace respectiv Hiroshima, ritualuri pentru natură, sunete, emisii, ritualuri de lume, pentru că avem în viața noastră tot felul de ritualuri care se petrec. Un spectacol de 65 de minute în care Madrigalul va duce niște sunete foarte interesante exact la granița între zi și noapte, imediat după apusul soarelui. Ah, l'heure bleue se cheamă exact, 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 exact. Mai mult decât atât, avem alături de noi parteneri foarte puternici: copiii din corurile Cantus Mundi, zoli, toți și cu ansambluri de percuție, actori care interpretează diverse blesteme ritualice avem uh, șezători din diverse localități din țară care vin, pentru că în tot muzeul satului, scena se întinde în tot muzeul satului, vor fi uh, împrăștiate practic Să nu ne speriem, nu o să fie momente, nu, nu, lucruri. Nu, nu foarte. Da, am înțeles. <laughs> uh, uh, ați lansat la apă această corabie sau acum se va așeza de fapt ca să dăm uh, puțină notă de siguranță celor care vor veni? Prova, prova corabiei pe care va stab uh, corul, să spunem, publicului care nu știe neapărat, partea din fața corabiei este pe pontonul plutitor de pe lacul din Astra, din muzeul Astra, iar corpul corabiei este întins practic pe deal până în pădure cu o tribună foarte mare și în alta, astfel da, deci încât deci nicio șansă să să se absolut, scufunde. Absolut. Da. absolut. A, da. Și oricum, Corabia Prieteniei nu se poate scufunda. E mult prea complicat să o scufunzi. Dar interesant este că acest spectacol, practic, după ce se termină concertul efectiv al Corului Madrigal, va începe pe toate străzile din muzeul Astra și durează până la ora 1 noapte. Pot să vă spun că avem și ritualuri de Crăciun. Și că într-o gospodărie va ninge, acolo unde se vor face câteva ritualuri specifice Crăciunului, niște cântece străvechi dedicate acestei sărbători. Sunt foarte multe momente în care încercăm să aducem în fața publicului experiențe mult mai aproape decât această corabie, unde publicul stă pe scaun și Madrigalul stă frumos pe scenă și totul se întâmplă ca într-o sală de concert, în mijlocul naturii. Mm -hmm. Ei bine, după acest concert în care noi sperăm să-i hrănim pe public cu acest sunet al ritualurilor madrigalului, compozitori contemporani. Publicul urmează să se plimbe în voie, în liniște, pe toate aleile din parc. Sunt 10 puncte diferite în care aceste experiențe pot fi asimilate. Deci când? La ce oră? Sâmbătă seara de la ora 10 și duminică seara de la ora 9 în Muzeul Astra închidem spectacular Festivalul Internațional de Teatru din Sibiu. Pentru voi, E o experiență inedită, n-ați mai trăit așa ceva. Așa este, n-am mai fost în festivalul de teatru de la Sibiu niciodată, cu atât mai mult nu l-am deschis și nu l-am închis un festival de teatru. Suntem oarecum din alt domeniu, din muzică. Dar nici ce pe corabie ce... n-ați mai cântat. Dar nici pe corabie. am cântat pe bricul Mircea. <laughs> Dar și era plutitoare așa cum, cum trebuie. Dar experiența de aici va fi specială, pentru că este înconjurată de simboluri pe care, pe care noi le-am construit. Iar prezența Madrigalului în fiț a fost o surpriză foarte, foarte, foarte plăcută și o onoare, un gest de generozitate din partea teatrului pentru corul Madrigal, pentru că, așa cum știți, avem această deschidere și această închidere a festivalului, avem un etaj întreg expozițional la Muzeul Brukenthal și în Festivalul Internațional de Teatru de la Sibiu s-a născut și revista Madrigal, o publicație de cultură care a, bă, care a, văzut lumina tiparului și care e distribuită în toată țara gratuit și de care ne bucurăm pentru că bă, îi cuprinde, cuprinde, foarte multe proiecte pe care Madrigalul pe le are și pe care nu știm cum să le mai spunem astfel încât să nu canibalizăm pe nimeni online și, și așa mai departe, dar conține și foarte multe programe culturale ale unor oameni buni, pozitive, care construiesc, construiesc frumos țara asta. Cu ce periodicitate va ieși? Trimestrial, practic, revista și anotimpul va, va apărea în, în această formulă. Este un format foarte frumos, în 244 de pagini, foarte aerisit, cu informații din foarte multe segmente de activitate culturale. Nu doar despre cor, în bună parte este despre Madrigal și Cantus Mundi, dar ea are legătură și cu teatru și cu artele cu care Madrigalul a luat contact. Această, această deschidere pe care o are revista Madrigal, primul număr, Walk of Fame, Walk of Music, zicem noi, se referă la toți actorii cu care Madrigalul a urcat pe scenă în istoria sa de 61 de ani și atunci când am tras linie și am numărat, nu erau chiar foarte puțini. Sunt toți cei care sunt înșirați acolo, de sus și până jos, și care apar frumos pe copertă, și care au demonstrat că această prietenie între arte este mai importantă. Voi editați Corul Madrigal, editați revista, cine scrie în ea? Redactorul șef al revistei este Monica Lup și o echipă întreagă, coordonată de ea, se ocupă de aceste materiale din diverse instituții de cultură sau din instituții de presă de cultură care practic îi invităm de fiecare dată și cu care ne dorim să începem să creștem o nouă, un nou val de critică muzicală tânără. Dacă la teatru există o critică teatrală foarte bă, numeroasă din multe bă, puncte de vedere, la muzică situația e puțin mai complicată. mai complicată și atunci încercăm să oferim spațiu și să motivăm tinerii să înceapă să scrie, să comenteze muzica, indiferent dacă ne place sau nu ne place, să, -i, să -i încurajăm, să le oferim un spațiu în care să se poată manifesta mai mult decât, decât online -ul. Finalmente, revista Madrigal, chiar dacă există și în mediul online, este un obiect pe care, de care te bucuri, pe care Tut tuturor celor care le-am dat revista prima dată au mirosit-o <laughs> și am văzut un zâmbet larg pe fața lor oamenii care au lucrat la revistă, așa se întâmplă <laughs> și o întâi o mângâi și o miroși. <laughs> și clar. și care am văzut cât de, cât de mare e bucuria întâlnirii din nou cu hârtia și bă, sigur, dincolo de sustenabilitate mm. pe care o practicăm în multe alte segmente, cred că revista de cultură este bă, un un fenomen pentru că nu e doar un obiect care trebuie să existe în casele noastre iar a încuraja critica muzicală mi se pare absolut esențial ca să nu ne limităm doar la moderația creată de paginile de Facebook și alte rețele sociale care uneori pot să nască chiar monștri. Mulțumesc foarte mult, Emil Pantelimon! Ținem pumnii pentru aceste două concerte pe care le pregătiți și aștept cu nerăbdare să descoper această corabie pe care ne veți purta la Muzeul Astra din Sibiu. Mas tenta-me com drag.